c'est Caramella qui vous revient pour le retour des courses. Ouh, je vais vomir. Je suis allée au drive, il n'y avait personne, nickel. Je suis allée au drive de Leclerc, bien sûr. Au Leclerc magasin, faire des petits compléments de course. Un monde. Décorner les bœufs, une horreur. Et un petit coup à grand frais, bien sûr, comme d'habitude. Un monde. À décorner les bœufs. Mais avant de vous montrer tout ça, mettez-moi ça. Je vous ai déjà préparé le drive. Avant de vous dire tout ce que j'ai acheté, qu'est-ce qu'on dit ? Générique ! C'est parti ! Allez mes chatons, je vous ai déballé le drive de Leclerc. J'en ai eu pour combien ? J'en ai eu pour un peu moins de 70 euros. Mais vous allez voir, j'ai profité de promotion, donc ça vaut vraiment le coup. Je vous dis ça ? Allez, c'est parti. Donc, premier round, le drive de Leclerc. Au drive, j'ai donc pris une cristalline avec des bouteilles d'un litre et demi pour mon kidou et deux packs de Contrex de bouteilles d'un litre et demi. Aucune promotion sur les Contrex. Mais que fout Leclerc ? Ça faisait longtemps qu'ils avaient fait des promotions sur les packs de la Contrex. Bon, donc du coup, j'ai tout payé plein pot. Ensuite, mes chatons, je vais refaire un gratin de viande hachée. Et cette fois-ci, je vais le faire à la tomate. J'ai repris mon kilo de macaroni de la marque Repère. Je n'ai plus de vinaigrette me concernant. Mon kidou a encore la sienne. Moi, c'est la Rubista, Rustica, de la marque Repère, sauce spéciale crudité aux fines herbes. Voilà, il n'y avait pas de promo. J'en avais pas besoin, mais pour une fois qu'il y a de la promotion sur casse-grains, eh ben, il y avait de la promotion sur les petites boîtes de 435 grammes. Du coup, j'ai repris des petits cocos à la tomate. Et j'ai pris des petits pois cuisinés. Voilà. Là, il y avait 20% sur la carte. Impeccable. Il me semble que c'est ça. Attendez, je réfléchis. 20% sur la carte. Non ! Oui, c'est ça. Ensuite, j'ai repris les fameux Nescafé Dolce Gusto Nesquik de mon kidou. Parce qu'il n'a plus qu'un paquet entamé. Il n'en a presque plus. Bien sûr, indispensable papier toilette de la marque Repère. Les indispensables également de la marque Repère, les épidores, les petits pains grillés au blé complet du matin, format familial. Il n'y avait pas les petits gâteaux préférés de mon kidou, mais ceux-là, il les adore. J'ai pris des petits feuilletés Emmental, Tokapi, voilà. J'adore aussi, c'est trop bon. C'est pas donné. J'ai pris la sous-marque, hein, la marque Leclerc, mais ils sont excellents. Et mon papou adore ça. Ensuite, je n'ai plus qu'un sachet de riz minute. Donc, j'ai repris deux sachets ici de riz comptoir du grain express. Vous mettez ça 2 minutes au micro-ondes. Hop, moi, je prends Basmati, la marque Repère, et il vaut pas. Le riz cuit à la casserole, basmati de marque, réellement. Hein. Mais ça dépanne, c'est extra, en 2 minutes, c'est cuit. Le soir, impeccable. J'ai pris également nos chips préférés et les préférés de ma sœurette. Les chips à l'ancienne nature de la marque Repère. Elle préfère cette marque-là, moi aussi, elles sont délicieuses. Et maintenant, ils font le maxi format. Du coup, que demande le peuple ? Bien sûr qu'on prend le maxi format. Pardon. Ensuite, je n'ai pratiquement plus de chewing-gum. Du coup, j'ai repris les chewing-gums de la marque Repère. Voilà. Ils sont pas mauvais. Franchement, c'est 1,99 €. C'est ça ? Oui. Les 100 grammes. Pour le soir, avec une salade verte, je vous conseille la flamencuche lardon oignon fromage blanc de Leclerc.
franchement, elle est pas mauvaise. Elle est tout aussi bonne que celle de nos régions. Ensuite, pour le soir toujours, et il me reste encore une boîte dont j'en ai pris qu'une, j'ai repris pour dépanner, pareil, le soir avec une salade, ça va vite, c'est rapide, un petit coup au four 10 minutes, les nems au porc, ça existe au poulet et aux crevettes, on aime moins. Pour faire avec les fameux macaronis, nos indispensables, 5% de matière grasse, la viande hachée pure porc de la marque Repère, c'est cher, hein, franchement, c'est les 500 grammes, presque 6 euros, mais je préfère prendre les 5%, et là je vais faire un gratin, comme ça, ça dure plus longtemps, un gratin de macaronis à la tomate, voilà. Ensuite, je vais faire des pois cassés. Je vous ai déjà filmé tout ça. Oui, j'ai des pois cassés. Je montre pour ceux qui ne regardent pas mes retours de course habituellement. Je prends les pois cassés, je vous les conseille, ils sont excellents. De la marque Repère, Notre Jardin. Ils sont extra. Et je vais y glisser les saucisses fumées au bois de hêtre. Nos régions ont du talent. Elles sont très bonnes. Les 4 saucisses, elles sont à moins de 3 euros. Et j'y mets également, et j'en ai deux paquets. J'en ai un que je viens de racheter, j'en ai un paquet encore au frigo. Du coup, ça m'en fait 8, vous voyez. Il est là, voilà. Ça m'en fait 8. Donc ça va faire 2-3 repas pour mon kidou et pour moi, à tous les deux. Et puis je vais y glisser 3 grosses saucisses fumées, toujours de la marque Repère, fumées au bois de hêtre. Elles sont très bonnes également. Ça fait comme une potée au pois cassé. C'est très bon. Pour faire le gratin de viande hachée à la tomate, j'ai repris mes 3 fromages râpés, voilà. Les croisés de la marque Repère. Il y a de l'emmental, du masdam, de la mozza. C'est le meilleur. Parce qu'il fait des fils et il ne fait pas des boulettes. Vous savez, j'aime pas quand ça fait des boulettes de fromage. J'ai repris un coulommier. Ça change un peu. Mon kidou en avait marre du chèvre. Du coup, ça fait la deuxième semaine que je lui prends un coulommier comme ça, tendre et onctueux de la marque Repère. Il me reste encore pas mal de jambon, donc, et comme mon Nunus il aime bien également des petits bouts, j'ai repris 2 paquets de blanc de poulet qualité supérieure, 100% filet, bœuf bœuf. C'est doré au four et sans sel nitrité, voilà. Ensuite, il me reste encore de l'oméga 3, donc j'ai repris un seul pack de 500 grammes de Net & Vie, oméga 3 spécial tartine et cuisson. Mon kidou met ça dans les pâtes le matin. Maintenant, il mange, et puis de temps en temps dans les pâtes aussi, il mange le beurre tendre président. C'est 500 grammes peut-être bien aussi. Non, 250 grammes. Voilà, c'est vrai que c'est quand même meilleur, hein, y a pas un... Mais ça, faut que ça fasse la semaine. J'en rachète pas. Donc, on a le droit à 250 grammes de beurre pour la semaine. Et ensuite, pour finir le drive, il y avait une promotion. J'ai encore 12 yaourts nature, mais il y avait une belle promotion et du coup, je me suis dit, on va se faire des petits plaisirs sur nos régions du talent, les yaourts au lait entier de Haute-Savoie sur lit de fruits. Oui, messieurs, dames. Il y avait, alors attendez, je réfléchis, 20% sur la carte pour chacun. Et ben, du coup, j'ai pris 3 sortes. J'ai pris à la fraise et à la cerise, à la poire et à la mirabelle, et j'ai pris abricot pêche. On va se régaler, ça se présente comme ça. C'est trop appétissant. J'ai ma caméra qui ne fait plus les mises au point maintenant. C'est une catastrophe. Voilà, et donc il y avait 20% sur la carte. Du coup, pour le drive que je viens de finir de vous montrer, j'ai cumulé 2,74€ sur ma carte Leclerc. Ben, c'est pas mal. Avec les cocos, les petits pois, les yaourts, nos régions du talent. Et il me semble que c'est tout. Ben, c'est déjà pas mal. Allez, je range tout ça et je vous montre ce que j'ai acheté au magasin Leclerc directement avec ma cerise. C'est mon boy qui m'a aidé à ranger. Mais je sais pas si je vais l'augmenter cette année. Hein? Non, non, pas d'augmentation, c'était mal fait. Hein. Allez mes chatons, c'est parti, je vous montre ce que j'ai acheté
au magasin Leclerc directement. Alors, j'en ai eu pour 16 euros. J'arrondis au-dessus. Ma sœurette m'a acheté un petit Sunny Delight, voilà, acidulé Florida, parce que, eh ben, j'avais soif. Merci ma sœurette d'amour. Ensuite, évidemment, j'ai repris mes petites céréales fourrées choco-noisette, format maxi. Ben oui, ben voyons, j'ai payé ça, je ne me souviens plus. Les fourrées, c'est 2,33 les combien de grammes? Il y a 650 grammes, il me semble. Je peux les voir, normalement, c'est écrit en gros. Oui, 650 grammes. Donc, 2,33 les céréales. J'ai pris 4 baguettes de pain tradition française. Je les ai payées 85 centimes pièce. Il y avait, a priori, une promotion sur les foies de volaille à la graisse de canard de la marque Repère. Mais bon, je pense que c'est toujours le même. Ah non, 2,05 €. Il me semble que c'est 2,85 € normalement. 2,05 €, voilà. Pour mon petit Nunu, c'est pour moi. Parce que comme je n'ai pas trouvé de rognon émincé, eh bien j'ai pris ça. Là, il y avait une promotion également chez Findus du Fish and Chips Colin d'Alaska, qualité 100% filet. Je prends jamais rarement de marque, mais il y avait une promotion, il y avait 30% sur le prix habituel. Voilà. Et ensuite, j'ai acheté 4 petites langues de porc à 6,95 € le kilo. Et j'en ai quand même pour 8 euros parce qu'il y a 1,150 kg. Voilà mes chatons. Je vous ai tout montré. Les foies de volaille, les langues, le pain. Donc là, rien que ça, sans la petite boisson, il y en a pour 16 euros. Voilà mes chatons pour le retour de course directement du magasin. Bon allez, je range ça, je mets au frais et je vous sors grand frais. J'en ai eu pour moins de 20 euros. Moi. Il me reste encore des fruits de toute façon. Il me reste 4 pommes. Ouh. Non mais qu'est-ce qu'elle a? Eh mais c'est une catastrophe, Kidou. Elle fait plus la mise au point, tiens, elle ne sait plus où elle en est. Je sais pas ce que c'est que ce bordel. Hein. Faut que tu regardes. Hein. 4 pommes et du raisin. Monsieur me demande du raisin, il ne mange pas. Mais pas bien ça, c'est pas bien, monsieur Carmela. Allez, dernière roue, courage mes chatons, c'est encore moi. Alors, un grand frais, j'en ai eu pour 17 euros. 17 euros et j'ai pris des bananes, du raisin, des pommes, des oranges, de la salade. Ben mes chatons. Alors, c'est parti. En salade, encore et toujours, parce qu'il m'en reste encore une et demie. J'ai pris qu'un seul sachet de mélange jeune pousse à 1,50 €, les 150 grammes. Voilà. Ensuite, j'ai pris 12 bananes. Oui, 12 bananes à 1,79 € le kilo. J'ai pris 6 oranges. Les oranges, elles étaient 2,99 € le kilo. Je les trouve pas très belles. Elles ont la peau très épaisse. Voilà. 2,99 € le kilo pour les oranges. 1,79 € le kilo pour les bananes. Elle ne s'est pas trompée, hein? Non. Pour les pommes, j'ai pris des pommes Gala, toujours les mêmes. Elles étaient à 1,29 €. Est-ce que je me trompe? Non, pommes, 1,29 € le kilo. Et le raisin, c'est le plus cher, c'est de l'Italia. 3,99 € le kilo. Voilà, il est très très beau. Il y avait du raisin rose, même mon kidou déteste ça. Voilà mes chatons, et eh ben j'ai fini ce gros retour de course. Et oui. Et encore, hein, on serre la vis et on profite des promos. Il y avait de la viande. Il y avait de la belle viande rouge. Oh là là, des roast beef, des. Et moi qui aime bien ça. Franchement, ça donnait envie, mais c'est pas donné. Hein. Voilà mes chatons. Allez, je finis avec les fruits et je cours à la salle de bain. J'espère que ce retour de course vous a plu. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager ma vidéo, à partager ma chaîne autour de vous. Et puis, à commenter. Je vous attends dans les commentaires, mes chatons, avec grand plaisir. Merci de tout cœur pour vos gentils mots, franchement, qui me réchauffent le cœur.
Surtout, faites attention à vous. À très vite. Pour un autre tour de course, bah oui, on mange toutes les semaines. Et le gouvernement le sait. Il sait qu'on a besoin d'essence. Il sait qu'on a besoin de manger. Les prix s'en fout. Allez, mes chatons, bon appétit, toujours avec Caramella. Et puis à très vite. Bisous, mes chatons. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort.